Un, dos, tres, Radio Minorca. Radio Minorca. Et tu sais comment on enlève ça, Radio Minorque? Juan Paolo. Juan Paolo. Bonsoir. Parle-nous en anglais comme a fait la serveuse là. Tu l'as toujours fini? Alors, nous sommes arrivés dans un restaurant, mon petit Polo. Tout se passe bien. Vraiment, on a attendu quoi? 3 heures? Deux heures. Et regardez les tables. Sur la carte mémoire, donc la carte mémoire, non, ça ne touche pas. Regardez. Vide. Tout le monde est à cran, on pense qu'il va y avoir un attentat. Je vous ai pas montré en face. Mais j'arrive à m'en servir quand même. Là, ils essaient de discuter de rien, parce qu'ils sont énervés tout simplement. Regardez les conneries qu'ils disent. Et après, je commence à bouger, des fois. Vous êtes rendu compte de l'ambiance festive de la soirée. En gros, tout le monde s'emmerde. Regardez. Lui, il a arrêté de fumer, du coup, il est complètement désorienté. Hein, ça fait quoi? Ça fait... Un Gainsbourg, J'ai fumé mon téléphone. Non, mais sérieux, qu'est-ce qui t'arrive, Thierry? Je t'aime. Non. Et tu veux pas de moi. C'est terrible. Dis ça devant Jean-Paul. Donc, on est tombé sur un restaurant, Jean-Paul, aide-moi. On est tombé sur une serveuse qui parle plusieurs langues. Très bien l'anglais. Très bien l'anglais. Et nous, on n'a pas eu... Si, à Fred, hein? En plus, Fred, il a un rapport, comme on disait, avec la nourriture. Elle pourrait lui parler en latin, il arrivera à comprendre. Hein? C'est vrai, Fred? Dis que c'est vrai, on a dit des conneries. Non, mais tu m'as baptisé comment? Ah oui, Schtroumpf gourmand, Fred. Schtroumpf gourmand, et ça te va bien, sérieux. Hein? Tout à l'heure, il l'a décidé. Il est dans notre chambre, Fred, et quand il a. On le dit? Ouais. Quand il a ouvert son sac, en fait, il y a un slip et en dessous, c'est que des gâteaux. Vous vous rappelez, il avait un sac militaire, là, on se dit, il a dû amener peut-être des grenades. C'est des petits buts et il a trois trucs de pépito. Il a trois gros paquets de pépito, quoi. Quoi, Fred? Je sais, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais Jean-Paul, dans l'ascenseur, il m'a dit, non, faut qu'on le dise, ce truc. C'est sûr qu'il le dise, parce que t'as pas voulu partager. Parce qu'en plus, Fred... Mais t'avais peur de mourir de faim. Voilà, je savais pas avec qui j'étais, j'avais un peu peur. Et après tu disais, mon sac à dos, il est lourd. Il est volumineux, mais il est pas lourd. Il est très léger, parce qu'on n'a pas choisi les vins. On n'a pas choisi les vins. Donc c'était juste pour vous dire que... Il faut aller voir dans la cave ce qui reste. Tu fais le choix, alors. Bichet de blindé. Ouais, moi je pense qu'on peut demander à chacun ce qu'il veut, ça va être simple. Toi, tu préfères plus un cépage du sud ou machin? Bon, je vais aller voir la cave. Et j'aimerais bien un petit gamay d'Auvergne. Ouais, un petit gamay, un truc comme ça. Tout ça pour vous dire qu'il est exactement 21h48. Et à mon avis, on va refaire un petit Radio Minorca. Parle un peu, toi. Radio Minorca à 23h et on verra ce qu'on a dans l'assiette. Mais si les assiettes sont arrivées. Si elles sont arrivées. Fais voir les pommes. Une petite gitane, Thierry? Non, merci. On est garé avec les pommes barcasses qui sont... Ah oui. Ah ouais, on n'a pas vu. On est chez les pauvres ici. On est chez les pauvres, tu vois. Ouais. Ça doit être des... Jean-Paul me disait que c'était des Arabes qui devaient avoir des... peut-être propriétaires du PSG. Là, mais c'est vrai qu'on peut pas... Il y a ce truc raciste. Autrement, je t'aime vachement, mais t'es raciste. T'as quand même un truc. Ouais, on est plein de bateaux de milliardaires derrière nous. Et ça fait drôle, hein. Il y en a pas un qui nous a invités. C'est terrible quand même. Regarde, t'es encore coiffé comme Mindfourer. Hein? Il était content, midi, il a mangé à côté d'une Allemande. Bon, allez, j'arrête parce que vous parlez pas trop, vous êtes une sacrée bande de cons.